must answer for my crimes. Repent for my sins. But every choice I made, I would proudly make again. You will submit. I submit to no one. Not you. Not the jailer. And not that coward Thrall. For the Horde! Nous ne serons jamais des esclaves. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler, alors ça, normalement la vidéo devrait être plus courte, hein. On va parler un petit peu de la fin de Garrosh Hellscream, donc Garrosh sur l'enfer en français, avec une cinématique qui je trouve, alors c'est étonnant parce que j'ai déjà parlé dans la cinématique de Tyrande, de cinématique de la 9.1 où il y a des petits soucis d'animation et autres, et là c'est une cinématique où le joueur n'est pas présent, donc en plus c'est cool parce que si vous connaissez un petit peu mon point de vue concernant l'intégration du joueur, que ce soit dans le gameplay pour les cinématiques où là c'est dégueulasse, ou tout simplement dans l'histoire où c'est tout aussi dégueulasse mais ça choque un peu moins de personnes, j'ai l'impression, enfin peut-être un peu plus depuis BFA, mais au final eh bien cette cinématique qui n'a pas le joueur, bien, techniquement je la trouve faible, notamment au niveau de, enfin elle est attention, elle n'a pas l'ambition de faire un truc énorme, mais par exemple ça se voit au niveau du de la synchronisation labiale, donc la bouche en fait tout simplement de Garrosh. On le voit ici, notamment quand il est à genoux. Regardez, c'est la même animation. Hein. Et vous voyez, le Thrall il est toujours en train de le prononcer, c'est pas terminé, etc. Enfin je sais pas, là-dessus Blizzard nous a habitués à mieux, en tout cas d'un point de vue technique. Et les animations c'est pareil, c'est très très bas, là il fait un saut, il se déplace seulement. Donc enfin je sais pas, j'ai l'impression, c'est mon interprétation, mais j'ai l'impression que cette cinématique, elle n'était pas prévue à la base. Alors vous avez peut-être que c'est avec le coronavirus, etc. Mais peut-être qu'elle n'était pas intégrée de base. Après bon, il est peut-être temps d'abord de commencer par le contexte. Donc c'est une cinématique de la 9.1, donc du raid tout simplement des chaînes de la domination. Pendant ce raid, on en reparlera, de toute façon je ferai plusieurs vidéos puisqu'il y a d'autres personnages qui sont concernés, notamment Kel'Thuzad et Ner'zhul, où je vous donnerai mon ressenti concernant ces boss là, mais il n'y a pas de cinématique, donc je traitais en particulier d'abord les cinématiques, et du coup nous affrontons un boss que vous voyez, je vais le mettre ici, on le voit mieux, qui s'appelle Dormazain, en anglais, hein, ça se prononce comme ça je crois, hein, Dormazain, en français ça se prononcera très probablement Dormazin, pardon. Petite blague évidemment. Du coup Dormazain très probablement en français, mais c'est Dormazain en anglais. Et en l'occurrence Dormazain, le principe en fait c'est que c'est un tourmenteur. Donc c'est quelqu'un un petit peu comme la plupart des... Enfin les moissonneurs c'est vraiment un poste assez important, mais comme des Ventir en Revendreth qui sont là pour récupérer, pour forcer la rédemption d'un personnage, et qui sont là pour récupérer en fait tout simplement l'anima et s'abreuver de cet anima récolté sur les âmes qui ont fauté. En fait ici on a un tourmenteur de l'antre qui est là pour la même chose, sauf que lui il cherche même pas forcément la rédemption, il est juste là pour torturer jusqu'à la fin quelqu'un, et que le mec perde son esprit et puisse récupérer l'anima pour alimenter les armées du geôlier, et en plus de ça briser l'âme et potentiellement même soit en faire un sbire du geôlier, puisque la plupart des sbires du geôlier sont des âmes brisées, ou tout simplement le sucer jusqu'à la moelle, j'ai envie de dire. Donc on a ici un tourmenteur, et c'est pour ça d'ailleurs que lui il a une apparence entrifiée on va dire, et qu'il a une épée de l'antre, alors que Garrosh lui a une apparence plus rouge, étant donné que, ne l'oubliez pas, beaucoup se posaient la question, puisque lors de la cinématique d'introduction à Revendreth, eh bien nous avions cette image où on voyait à un moment donné donc Denathrius qui nous parlait un petit peu, hein, l'éternel de Revendreth, qui nous parlait un petit peu de comment fonctionnaient les terres d'ombre, et notamment Revendreth en l'occurrence, la congrégation de Revendreth, des Ventir. Et au final ce qu'on avait vu c'était qu'il y avait donc certaines âmes qui devaient faire pénitence en donnant une partie d'eux-mêmes pour pouvoir petit à petit souffrir pour mieux se remettre en question, etc. Et on avait vu que certains d'ailleurs avaient tellement d'anima qu'ils se disaient comme bêtes de somme pour qu'on récupère, pour qu'on les draine en permanence telle une vache laitière. Et en l'occurrence, c'était le cas de Garrosh. Le but c'était de nous montrer un personnage qu'on connaissait tous, qui était en train de payer pour ses fautes, et surtout c'est un personnage qui, comme il est connu, ça nous permet de mieux nous introduire dans la zone en fait, qui est une zone totalement nouvelle. C'est le principe, c'est que bah, du coup Blizzard fait du neuf, mais pour pas que vous soyez totalement perdus, eh bien nous permet en fait de faire une transition avec ce personnage là. Donc Garrosh avait vraiment ce but ludique à la base, et je me pose la question. Parce que je sais que beaucoup, et notamment même sur mes vidéos, et je suis pas le plus gros youtubeur de l'heure ou autre, et je sais que c'est quelque chose qui, cette cinématique a presque redonné espoir à des fans de Garrosh en mode « Ah c'est bon, il va revenir, il va avoir un rôle à jouer, etc. » Moi j'avais dit, je pense vraiment pas, le personnage il est là vraiment pour nous expliquer comment ça marche, et c'est un exemple qui parlera à tout le monde. Je veux dire, n'importe quel joueur de WoW, tu lui mets un Garrosh, je veux dire, la plupart des joueurs de WoW savent qui c'est. Un joueur de Warcraft qui n'a pas joué à WoW, bon ok il connaît pas, mais un joueur de... Et bon il voit juste un orc ça a fait des choses terribles par le passé, hein, quelle que soit la génération, donc ça va tu vois. Donc, mais un joueur de WoW lui normalement ça lui parle, que ce soit un vieux de BC, que ce soit quelqu'un qui ait joué à Cataclysm, quelqu'un qui a joué plus récemment à World of Draenor, normalement ça lui parle. Ami, si vous arrivez à BFA Shadowlands, effectivement ça vous parle moins, mais c'est pas grave, on voit un gros machin, il a probablement fauté, blablabla. Donc ça parle à tout le monde, sauf que ça a redonné cet espoir que Garrosh soit réutilisé. Et j'ai l'impression, ça c'est ma théorie, j'ai l'impression que cette cinématique qui n'est pas au niveau d'autres cinématiques qu'on a pu voir, même sans le joueur d'ailleurs, hein, j'ai l'impression qu'elle a été faite un peu à la va-vite en mode « Ah merde, on a donné espoir à une partie de la communauté et peut-être qu'on va... » Peut-être qu'on va devoir expliquer le truc. Et vous verrez que j'en reparlerai après, il y a peut-être aussi une deuxième raison qui fait que finalement ils ont un peu hâté et qu'ils ont fait cette cinématique. Parce que pour le coup, moi quand je vois cette cinématique, alors rappelons-le, on a la musique de World of Draenor qui passe derrière. Nous ne serons jamais des esclaves. Je vais peut-être augmenter un peu le son. Donc c'est vrai que j'ai pas traduit, mais bon, en gros, c'est vrai que j'ai pas traduit ça en anglais pour le moment. Donc Garrosh qui dit, il n'y a pas beaucoup de texte au final, il n'y a pas énormément de texte. Donc Garrosh qui dit justement, they said I must answer for my crimes, repent for my sins. Ils disent que je dois répondre de mes crimes et que je dois me repentir de mes péchés. Mais tous les choix que j'ai faits, je les referai avec fierté une nouvelle fois. Donc je referai tout si j'en avais la possibilité. Et derrière il dit l'autre, donc Dormazain dit tu te soumettras, tu vas plier quoi. Et Garrosh dirait je me soumets à personne, pas à toi, pas au geôlier et même pas à ce lâche de Thrall. Ce qui est marrant c'est qu'il évoque pas Denathrius qui est quand même le mec qui l'a drainé au départ et qui ensuite a filé tout l'anima de toute façon et tout ce qu'il avait au geôlier pour qu'il puisse se libérer. Donc c'est quand même étonnant qu'il ne fasse pas de mention de Denathrius. Je pense que ça aurait été intéressant de dire not you, not the jailer, not Denathrius, not even this coward Thrall, un truc comme ça. Mais bon, c'est tant pis. Et derrière, eh bien, il pour la horde, hein, évidemment, et il fracasse tout le monde. Donc le principe ici, cette cinématique, alors bien sûr, c'est pas une insulte. Enfin, pour le coup, c'est pareil, la continuité de Garrosh, le personnage. A toujours, ça c'est un écho aussi à War Crimes, donc Crimes de guerre en français, la fin de Mists of Pandaria, la nouvelle qui fait la transition et qui finit Mists of Pandaria et qui débute World of Draenor. Le principe c'est que le personnage, il a fait des choses atroces, des choses horribles, et il ne regrette rien. Au contraire, si on lui donnait la possibilité, il le referait. Donc voilà, on est jusqu'au bout, et là-dessus, normalement, même les fans de Garrosh, le FC Garrosh, alors je sais qu'il y a plusieurs courants de pensée dans le FC Garrosh, mais normalement, le fanboy de Garrosh, bah, il devrait être content. Ça c'est mon chef de guerre, la petite musique de World of Draenor, il fracasse des gens, il fracasse un mec jusqu'au bout, quitte à crever avec, voilà, c'est mon Garrosh qui regrette rien, fier de lui-même, fier de ses trucs. Normalement ça devrait le plaire. Peut-être que d'autres, je sais pas trop, tiens, n'hésitez pas à me dire si vous faites partie du FC Garrosh, est-ce que vous aimez cette cinématique ou pas. Moi personnellement, qu'est-ce qu'elle apporte cette cinématique? En fait tout ce qu'il dit, ça a déjà été dit dans Crimes de guerre, ça a déjà été dit également à World of Draenor, en mode, bah, il en a rien à foutre. Donc... personnellement, cette cinématique, en ayant connaissance de tout ça, pour moi c'est de la redite en fait. C'est pas quelque chose qui sert. Le truc que je me dis, c'est peut-être qu'ils ont tellement fait naître l'espoir que Garrosh revienne que finalement bah ils préfèrent couper court à ça et mettre Garrosh là. D'un autre côté, ça fait, et je pense que c'est la raison principale, du fanservice. Hein, et des fois, il y a du bon fanservice, des fois du mauvais fanservice. Pour le coup, bon, ça fait un boss au moins qu'on connaît, puisque même si vous connaissez pas Dormazain, vous le liez avec un personnage que vous connaissez, à savoir Garrosh, instantanément, bah, vous vous dites, putain, ce boss est stylé, parce que forcément, on va vouloir l'affronter, puisqu'il a capturé Garrosh. Donc, ça permet aussi, bien sûr, de sacraliser un peu plus un boss, on va dire. Dormazain, je pense que beaucoup s'en rappelleront plus grâce à ce genre de choses. Donc à voir. Moi personnellement je suis pas très... En fait c'est ce que je craignais par exemple qu'ils fassent avec Varian, et pour le moment, et ils ont dit qu'ils ne le feraient pas. Moi j'avais peur qu'il fasse ça. Varian, il a eu une superbe fin à Légion, on a eu de belles choses. Il y a eu la petite, également la vision entre Varian et Anduin, donc il n'y a pas besoin de refaire un truc comme ça. Et j'avais peur qu'ils remettent Varian alors que tout a été dit et la fin est faite. Pour le coup, Garrosh aussi, alors qu'on aime ou pas, il a eu une belle fin dans une belle cinématique contre Thrall et tout. Enfin, franchement, c'était une belle fin. Et surtout, bah, son thème, enfin sa thématique, on l'a vu, on l'a revu, hein, Garrosh. Donc, pour le coup, bah, je trouve pas que ça apporte grand-chose d'un point de vue, voilà, pour Garrosh. À part qu'on sait maintenant que c'est terminé pour Garrosh. Bah ouais, enfin, je veux dire, avant, on savait déjà qu'il était pas bien, quoi. Et par contre, clairement, ça respecte le personnage, hein. Parce que moi ma grande peur c'était, attendez, ce personnage là qui a fait des choses horribles, qu'on lui laisse la possibilité de se repentir, ça ne marche pas avec le perso en fait. Parce que ça a toujours été un mec qui, lui, enfin il est resté droit sur son chemin, même un chemin de folie, enfin complètement taré, complètement raciste, complètement tout. Mais au moins il est resté droit dans ses bottes Waffen-SS quoi, hein, il est resté là-dedans. Mais... du coup, je me disais, si jamais il doit aller à Revendreth, avoir une rédemption et tout, je suis en mode, what the fuck. Après, faut pas oublier que toutes les âmes vont... il y a très peu d'âmes qui vont directement dans l'ordre, sauf maintenant avec la perturbation du flux des âmes. Mais à la base, ils vont tous à Revendreth, et si les mecs peuvent pas se... les mecs ne mettent pas un point, enfin, n'arrivent pas à progresser dans leur rédemption, ils sont vraiment contre la rédemption, bon bah là, c'est let's go to the party dans l'antre. Hein. Donc, pour le coup, c'est ce qui se passe avec... c'est ce qui se passe... Enfin, Garrosh, qui avait de grandes chances de toute façon qu'il finisse dans l'antre, parce que c'est clairement pas le mec qui veut se libérer, et au final eh bien les joueurs donc blessent Dormazain qui perd le contrôle. Du coup Garrosh arrive à se libérer, il prend l'arme de Dormazain, il la retourne contre lui, et avec la musique nous serons jamais des esclaves, et au final il tue. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a deux grilles de lecture je trouve, c'est qu'il tue du coup Dormazain dans un grand flash aveuglant qui tue à la fois Dormazain et Garrosh. C'est vrai que ça fait un gros écho à Papa bien sûr, et à World of Draenor aussi avec la cinématique d'intro, mais surtout la mort de Grommel Hellscream. La différence c'est que là Garrosh il le fait pour lui-même en fait, c'est pas forcément pour libérer son peuple ou quoi que ce soit, même s'il crie pour la horde, c'est pas du tout la même, enfin sa horde à lui c'est une horde, je le rappellerai jamais assez, hein, vidéo de débunkage Garrosh tout ça, c'est une horde xénophobe qui en gros ne que pour les orques, les autres c'est non, et même ceux qui sont avec lui c'est des esclaves ou des mecs qui sont là que par intérêt et ensuite il les jette, donc et il finit en tas de cendres. Alors moi ça, ce qui est assez drôle d'ailleurs, je trouve ça très drôle cette fin avec le grand flash blanc et à la fin un petit tas de cendres en mode, vous voyez le combat pour la horde, enfin le combat en mode pour la horde ou pour l'alliance, hein, je suis pas du tout en mode, bon, je pense que ce truc là va être mème, il va y avoir des mèmes de la part des joueurs alliance à mon avis, mais parce qu'ils sont beaucoup vengés quand Varian est mort, tout ça, tas de cendres, je pense qu'il y aura la mème pour Garrosh du coup, mais moi ça me fait rire parce que le mec dit pour la horde et il finit en tas de cendres. Donc, c'est pas du tout ce que Blizzard a voulu dire, je pense, mais c'est marrant de se dire, voilà, tous ceux qui sont en mode à fond ultra pro-horde, ultra pro-alliance, bah voilà comment ils finissent. Mais bon, là, c'est moi, hein, là, c'est clairement moi. Par contre, ce qui est assez intéressant, et c'est Eo qui m'en a parlé, et j'avoue que cette cinématique, comme je l'ai dit, à part pour le fanservice, et du coup, je trouve pas que ce soit du bon fanservice, même si ça permet au moins de finir vraiment jusqu'au bout la porte. Et d'éviter les théories on va dire qui pourraient penser que Garrosh revienne, sachant que les Danusers et d'autres avaient évoqué le fait qu'il y aurait probablement des quêtes autour de Garrosh à Revendreth avec la 9.1, donc peut-être des expés qui parleraient justement du sacrifice de Garrosh de la mort de Garrosh en tout cas, et du kill de Dormazain et comment sa transition, puisque ça concerne un petit peu Revendreth, puisqu'à la base il était Revendreth et il a été envoyé par Denathrius ainsi que la plupart des réserves d'anima dans l'antre. Donc normalement si vous êtes dans la congrégation Eventyr, il devrait y avoir quelques petites quêtes qui parleront probablement de ce moment, puisqu'ils avaient évoqué que Garrosh serait évoqués auraient des trucs dans la campagne de Congrès, enfin chez les Ventir en tout cas. Donc dernier point, et donc c'est EO qui m'a suggéré cette théorie, et j'avoue que c'est franchement pas mal, donc je vais en parler ici. Est-ce que cette cinématique, moi je trouve qu'elle a été faite un peu à la va-vite, et est-ce qu'elle n'aurait pas été à la va-vite pour différentes raisons? J'ai évoqué, pour éviter que plein de fans pensent que Garrosh sera réutilisé, alors que non, c'était juste, voilà, c'est terminé. Une autre en même temps pour faire du fanservice pur et du coup mettre en avant un boss. Et la dernière raison, c'est, et je pense que c'est pas mal, avec justement la grosse polémique, notamment qui est née à BFA, que Sylvanas n'était qu'un Garrosh 2.0, vous montrez dans la même cinématique la fin de Sylvanas, même si c'est pas la vraie fin, c'était Sylvanas en tant que boss, donc sa fin, on vous montre la fin de Sylvanas, et d'un autre côté, on vous met Garrosh, avec une Sylvanas qui est prête à se retourner contre son ancien allié, etc., et qui considère que certes la fin justifie les moyens, mais la fin n'est pas tout à fait la même pour nous, et à côté de ça, vous avez Garrosh, qui lui, on lui dit est-ce que tu es prêt à refaire tout ce que tu as fait par le passé, et il est en mode ah mais totalement je suis prêt à déglinguer tout ce qu'il y a. Genre je trouve ça assez intéressant, honnêtement je trouve ça assez intéressant. Peut-être qu'effectivement on a mis cette cinématique là en mode regardez, au final c'est pas pareil, c'est pas la même fin, alors que au final certains d'ailleurs on rigolait, j'avoue que l'ont tourné en tout cas l'humour plus que vraiment de la haine. Ce qui me fait rire, c'est qu'effectivement certains disent bah du coup c'est pas Garrosh 2.0 effectivement, mais à la fin elle va avoir son procès, donc ils vont l'emmener en Pandarie et tout pour Sylvanas, donc ça m'a fait rire, je me suis dit, ah bah oui, le crime de guerre, mais on voit que c'est quand même pas forcément le même traitement, même si bien sûr il y a des parallèles, il y a clairement une différence, et la différence c'est que Sylvanas probablement va avoir pas forcément une pure rédemption, mais va probablement contribuer là où Garrosh n'aura jamais contribué en dehors de ses propres... Enfin, n'aura jamais contribué, que ce soit à la Horde ou à l'Alliance, et je parle de la Horde, celle de Thrall, etc., hein, pas sa Horde à lui. Donc, au final, ça c'est intéressant. Et j'en profite pour revenir un petit peu sur la polémique autour de Sylvanas. C'est vrai que beaucoup de gens sont toujours un petit peu... encore une fois, je le dirai jamais assez, mais si il faut... je ne tolère pas, et je considère que... on ne peut pas tolérer, en fait, c'est même pas je considère, on ne peut pas tolérer autant d'irrespect et des menaces de mort et du harcèlement à l'égard de scénaristes. C'est pas normal. Les réseaux sociaux, je trouve que c'est un outil formidable, ça permet d'échanger avec plein de gens, ça permet... on n'a jamais eu la possibilité, j'ai vu un tweet passer là comme ça, on n'a jamais eu autant la possibilité de pouvoir parler directement avec des créateurs de contenu, que ce soit des livres, etc. Parfois ils répondent pas, mais on a la possibilité, avant, fallait se présenter, c'était très compliqué. Aujourd'hui on a une facilité pour pouvoir atteindre des personnes positivement, et surtout poser des questions, avoir des réponses, etc. Et je trouve ça terrible qu'à l'heure actuelle, ce genre d'outil qui est formidable puisse être... Alors bien sûr c'est un outil donc il peut être mal utilisé aussi, hein, mais puisse être utilisé pour du harcèlement, c'est quand même vraiment fou, et je trouve ça vraiment dommage. Maintenant, un autre point sur lequel je voulais revenir avec Sylvanas, parce que ça me semblait encore une fois important de le rappeler, hein, vu ce qui se passe en ce moment, je pense qu'on le rappelle, ça sera jamais trop de deux fois. Mais concernant le petit Garrosh et Sylvanas, la fin de Sylvanas... Elle aura encore une fois un rôle à jouer par la suite, donc là-dessus bien sûr, parce que la vidéo que j'ai faite sur Sylvanas, je pense que il y a eu, j'ai globalement été assez exhaustif, d'habitude j'oublie toujours des petits trucs, là franchement il y a juste la VF qui est un peu bizarre, mais je pense avoir fait le tour. Par contre un point qui à mon sens est important, sur lequel on devrait revenir, c'est le fait que la petite Sylvanas, eh bien elle a la possibilité... Donc oui, j'ai mis un petit cut parce que je m'étais moi-même perdu dans mes propos. Mais au final, Sylvanas, en l'occurrence, faut pas oublier un truc, c'est que c'est quelque chose qu'on m'a fait remarquer dans différentes discussions, et je suis totalement d'accord, et je l'avais peut-être pas forcément aussi bien formulé, mais je parlais justement qu'elle avait utilisé des moyens terribles, et elle a fait énormément de sang sur les mains, Sylvanas, et c'est clair et net, mais justement ce sang... Elle veut qu'il soit investi pour une cause, alors pas forcément noble, mais pour quelque chose qui en vaille la peine, et qu'elle juge elle-même qui en vaille la peine. En l'occurrence, être enfin libre, être enfin tranquille. Je rappelle qu'à la fin de Wotelka, avec la nouvelle de l'Orée de la Nuit que je vous conseille de lire, et j'ai fait une vidéo dessus, Sylvanas une fois que sa vengeance a été accomplie, son premier but final était accompli, donc vaincre Arthas et se débarrasser le monde d'Arthas, une fois qu'Arthas est mort, elle veut retourner à la quiétude et la tranquillité qu'elle a connue un bref instant, et elle a des brefs souvenirs, c'est lorsqu'elle est morte la première fois, avant que Frostmonde lui arrache son âme et la fasse revenir en Banshee, elle a eu le temps de voir l'au-delà. Elle avait ce sentiment de quiétude, de tranquillité profonde. Et aujourd'hui, elle ne sent que le tourment, etc. Et du coup, elle aspire à revenir à ça. Elle aspire à se libérer de sa vie. La vie n'est qu'un été. Enfin, pour elle, c'était. Enfin, les grandes citations de Sylvanas, c'est quelle joie y a-t-il dans cette malédiction et nous sommes esclaves de ces tourments. Donc, en gros, eh bien, elle veut se libérer de ça. Et ça passe par récupérer son âme et du coup pouvoir enfin être tranquille, enfin être libre. Et là-dessus j'y reviendrai, mais ça repense un petit peu à Ner'zhul aussi d'ailleurs. Et au final, eh bien, elle aspire à ça. Et c'est ce que le geôlier lui a promis, entre guillemets, c'est de, oui, qu'elle la libérera de ça. Sauf que à la fin, il y a la définition, en gros, bah oui, c'était une question de point de vue, et oui, il a joué sur les mots. Par contre, il lui a bien redonné son âme, et elle va bien pouvoir enfin être plus tranquille, et cette partie qui lui manquait va être là. Sauf qu'au final, à la fin, c'est, je vais te libérer de cet esclavage du cycle de la mort, etc. Mais en gros, lui, dans sa tête, il était pas en mode je vais t'avoir, Sylvanas. Il était, enfin, moi, pour moi, en tout cas, je l'interprète comme ça. C'est plus en mode de toute façon, tu seras à mes côtés, donc tu seras la reine, en gros. En tout cas, un de mes lieutenants, donc un des généraux, donc tu seras pas soumis à autre volonté que la mienne. Donc au final, tu seras la reine, donc tu dirigeras tout le monde. C'est les autres qui seront à tes genoux. Sauf qu'en fait, Sylvanas, c'est pas ce qu'elle voulait. Elle voulait être tranquille, elle voulait juste. Qui est plus en gros de... Elle voulait briser l'équilibre naturel des choses pour pouvoir être tranquille. Parce qu'on l'a forcé, sa destinée, on lui a forcé sa destinée à aller dans l'antre. Donc, c'est ça en fait qu'elle voulait. C'est pas... Je vois énormément de gens dire « Ah, elle vient de se rendre compte que le geôlier était méchant. » Mais bien sûr que non, elle se rend compte que le geôlier est méchant. Alors bien sûr, on aura probablement plus d'explications autres par la suite. Mais à mon sens, faut vraiment pas oublier ça. Et c'est de ce point de vue-là que Sylvanas est extrêmement cohérente dans son traitement. Voilà, j'espère, je sais que c'était une vidéo sur Garrosh, mais Garrosh, il n'y avait pas énormément de trucs à dire, donc je pense que c'était important de revenir là-dessus. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Garrosh, n'hésitez pas à me donner vos impressions. Est-ce que vous partagez mon avis sur la qualité de la cinématique? Alors attention, hein, la cinématique, quand je dis la qualité, je reviens là-dessus, mais la musique est bien, globalement le moment est du Force de Horde et tout, je comprends qu'on ait des sensations, je reviens sur le côté technique pur. La bouche, les mouvements robotiques, moi ça, je trouve ça pas terrible en termes de qualité, quoi. Donc c'est de ça que je parle, mais si c'était pas clair, je préfère le redire. Donc n'hésitez pas à me donner vos impressions. Est-ce qu'elle vous a dû justement un petit peu donner des sensations fortes? Est-ce qu'elle vous a fait vibrer un petit peu? Est-ce que malgré tout vous voyez ce côté technique que je trouve un petit peu bancal? Est-ce que vous partagez mon avis sur la possibilité qu'elle a été rushée ou... Non, non, c'est normal, NP, et c'était prévu depuis le début. Enfin, n'hésitez pas, voilà, donnez-moi vos impressions, je lirai tout ça. Plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus. Et si vous posez la question, oui, je ferai une vidéo sur Kel'Thuzad et Ner'zhul. Bisous. C'est Garrosh qui m'envoie, je suis son canasson préféré. N'hésite pas à suivre les réseaux sociaux, tu peux liker la page Facebook. Tu peux liker le compte Twitter, tu peux également liker la vidéo et faire sonner les cloches de la chaîne YouTube. Ouais, ça permet d'avoir les nouvelles news et les nouvelles vidéos. Allez, pour la Horde!